Bonjour, donc j'ai commandé sur le site Bricosor une butée de portail battant automatique de marque Tira. Donc on voit un petit peu l'intérieur du carton. Donc on peut retrouver la butée emballée dans son petit plastique. Alors concernant les réglages et les dimensions de la butée, donc juste sur l'arrière vous avez une petite vis, vous prenez une clé BTA. Vous dévissez tout simplement. L'avantage de la butée, c'est que vous pouvez la régler sur une rotation à 360 degrés. Donc vous choisissez vraiment comme vous souhaitez mettre votre butée de portail. Donc vous enquillez bien entendu à l'intérieur du mât. Le mât, vous venez l'enterrer dans la terre. Donc vous pouvez très bien le laisser comme ceci. Vous tournez, le mettre sur le côté. Donc vous choisissez vraiment la position du portail. Le réglage minimal sera de 28 mm. Et en maximal, donc on peut aller jusqu'à 86 mm. Donc si vous avez un portail entre 28 et 86 mm, c'est l'idéal. Vous aurez besoin d'une masse donc pour enterrer le tube, bien entendu, dans le sol. Vous aurez besoin d'une cale pour éviter d'abîmer le tube. D'un niveau, si vous souhaitez mettre le tube, deux niveaux. Vous placez votre tube, donc le coin du tube, coin à coin avec le portail, vous prenez votre cale et vous enfoncez tout simplement le tube dans le sol. Ça fonctionne vraiment très très bien la porte. Donc je recommande cette butée là. Elle est facile à installer, rapide. Et je vous dis merci, à bientôt pour une prochaine vidéo.